Bonjour les enfants, nous allons lire Maman, un livre à compter, un livre donc dans lequel on compte. Et c'est aussi un livre avec des surprises. Vous êtes prêts? Attention, et hop! Nous sommes dans la chambre de ce petit garçon. Il vient d'ouvrir la porte et voit un énorme hippopotame. Et c'est la page du 1. Il y a 1 sur le cube et 1 hippopotame. Le petit garçon est semble très effrayé. Il regarde l'hippopotame, on dirait. Il a peur. Il crie « Maman !» Il a peur de l'hippopotame? Oui, sûrement. Il cherche sa maman. Il va dans les toilettes. C'est la page du 2. Vous voyez, il y a écrit 2 là, sur le magazine en bas, par terre. Puis il y a 2 lions. 1, 2. « Maman !» crie le petit garçon. Effrayé, il a sûrement peur des lions. Il va jusque dans la chambre des grandes personnes. C'est la page du 3. On trouve ici 3 girafes. 1, 2, 3. Toujours pas de maman. Le petit garçon est encore plus effrayé. « Maman !» crie-t-il. Il va dans la salle de bain. Il n'en croit pas ses yeux, le petit garçon. C'est la page du 4. Il y a 4 crocodiles. Quand même, hein. Des crocodiles. 1, 2, 3, 4. « Maman !» crie le petit garçon de plus en plus effrayé. « Qu'est-ce que c'est que cette maison ?» Il va dans le salon. C'est la page du 5. Vous voyez là, le magazine. 1, 2, 3, 4, 5 éléphants dans le salon. On est dans un zoo, c'est pas possible. Le petit garçon a encore plus peur. « Maman !» Mais sa maman n'est toujours pas là. Il va dans le bureau. Et c'est la page du 6. Regardez, le 6, il est là, sur un livre. 6 flamants roses, on les compte? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le petit garçon crie encore « Maman !» Il n'en croit pas ses yeux. Enfin, probablement, c'est ça. Il se rend à la cuisine, c'est la page du 7. Comme écrit là sur l'horloge. Il y a 7 ours. Des ours dans une maison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il mange tranquillement. Maman ! Crie le petit garçon. Elle n'est toujours pas là. Il va dans la salle à manger. Et c'est la page du 8. Comme là, sur le puzzle. Vous êtes prêts? On compte les petits cochons. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 8 petits cochons. Ils font le bazar, hein. Maman ! Crie le petit garçon, toujours à la recherche de sa maman. Dans le couloir maintenant, il croise des singes qui lui courent après. Et c'est la page du 9, comme sur la casquette. On compte les singes ? Vous êtes prêts ? Et 1, 2, 3, 4, 5, cachés là. Derrière le rideau, 6, 7, 8 et 9. 9 singes dans une maison. Bizarre, bizarre, cette maison. Il arrive dans le jardin. Et dans le jardin aussi, il y a des surprises. C'est la page du 10. Vous avez vu où il est écrit le 10? Juste là. Il y a 10 petites souris, les petites souris blanches. Vous les voyez? 1, 2, 3, 4. Ici, cachées dans les fleurs. 5, 6, 7, 8, 9, et la toute dernière, on voit que sa queue. 10, 10 souris. Mais qu'est-ce qu'il dit, le petit garçon? Maman, il y a une araignée dans ma chambre! Ah, c'est ça dont il a peur, c'est une araignée, pas des grosses bêtes. Mais allons voir dans sa chambre, vite, vite. Alors, dans sa chambre. Mais oui, regardez. Au-dessus de l'hippopotame, sur le plafond, il y a une araignée. C'est donc cette petite araignée de rien du tout qui effrayait le petit garçon. Cette histoire était donc un livre à compter. Vous avez vu un hippopotame, 2 lions, 3 girafes, 4 crocodiles, 5 éléphants, 6 flamants roses, 7 ours, 8 cochons, 9 singes et 10 souris. Et c'est fini! À bientôt!